je t'ai trouvé. Fais pas semblant, je t'ai réprouvé. Oh, sans jeune, sans guêpe. Elle me dit au creux de l'oreille, sans falling. Je pense que il est impérieux qu'on puisse simplement sortir un peu de ces débats des bambins, parce que aujourd'hui il y a des gens qui sont offusqués concernant ce qui se réalise notamment à Kinshasa, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié l'avènement de Grand P et Yao et Doxy à Kinshasa. Moi, je pense qu'on ne devait même pas créer des débats sur cela, parce que le monde que nous vivons est un monde aujourd'hui qui est devenu loin notamment de ces débats que les gens veulent réaliser, qui ne sont que des débats de la petitesse, parce que certaines personnes n'ont pas apprécié leur avènement à Kinshasa, qui a notamment été réalisé par le gouverneur quinois, dans l'opération qu'il a lancée de Kinshasa Bopeto. Et d'autres pensent que c'est une manière d'insulter les artistes ou notamment des acteurs culturels de la RDC. Moi, je pense que nous devons simplement bannir un tel discours que je trouve simplement flasque. Parce que le Grand P et Yao et Doxy sont devenus aujourd'hui des personnalités célébrissimes. Donc si le gouverneur de Kinshasa a trouvé mieux les faire venir dans la capitale de la RDC pour que ces personnages qui sont des célébrités puissent aussi apporter leur pierre propice notamment à la visibilité de l'opération Bopeto qu'il mène à Kinshasa. On ne peut que faire des hurrahs à une telle action. Mais lorsqu'il y a des polémiques qui sont simplement aberrantes, qui se réalisent à travers une telle action, on insulte sans doute aussi la volonté aujourd'hui que nous savons très bien du monde qui est devenu simplement un monde de l'ouverture. Bonjour cher aîné Daniel Mabanza, je suis en déplacement, mais j'ai tenu sans doute un peu de donner mon opinion concernant l'actualité de ce qui se passe dans nos contrées. Surtout que je suis aussi un communicant, donc je refuse d'être dans le mutisme. Donc je tenais simplement à rebondir sur ce fait, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on doit critiquer le Grand P, ou notamment Yao et Doxy, qui sont notamment des invités du gouverneur de Kinshasa pour une opération de propriété citadine. Moi, je crois qu'on doit être contre les critiques qui sont relayées sur la toile envers ces telles personnalités célébrissimes. Parce que si c'était Shakira, si c'était Messi, ou si c'était notamment une star et de l'Europe ou notamment des USA, on n'allait pas avoir un même regard. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit être dans la plaisance que des gens qui sont des Africains célèbres puissent être conviés à des opérations citadines, notamment qui rentrent aussi dans cette propriété bel et bien de vouloir que nos villes ne puissent pas notamment être des endroits sales. Alors, je voulais aussi rebondir rapidement concernant ce que Dave Mafula a voulu dire sur ce qui concerne notamment le progrès de notre cité. Sur ce fait un peu politique de la concertation d'Owano. Dave Mafula a dit que c'est notamment très mauvais que les politiciens puissent se concerter, parce que lui aujourd'hui il n'est pas convié à ce grand moment un peu de notre politique, et il dit qu'il faut interroger l'histoire. Mais Dave Mafula doit simplement comprendre qu'il est mal placé pour parler aujourd'hui de l'interrogation historique. Lui, lorsqu'il a reconnu l'élection de M. Denis Sassou Nguesso, avant même que la Cour constitutionnelle puisse donner son aval à une telle élection que la majorité des Congolais
n'ont eu que le toupet de faire des critiques. Il n'a pas interrogé l'histoire. Donc, à un moment donné, ne prenez pas les Congolais pour des ignares. Ne venez pas, notamment, babioler les Congolais. Nous savons très bien que, monsieur Dave, vous ne faites pas la politique pour le progrès du Congo. Vous faites la politique pour vos intérêts personnels avant tout. Et vous n'êtes que là pour simplement tourbillonner à ne savoir que barboter les Congolais. Donc sortez un peu de ce barbotage politique parce qu'on se rend bel et bien compte que vous n'êtes pas une opposition loyale. Vous avez beau crier à tue-tête que vous êtes dans une opposition loyale, dans une opposition audacieuse. Mais moi, je pense que l'audace que vous avez voulu simplement incarner à travers votre disciple devrait vous imposer à mieux réfléchir, à ne pas vous précipiter à reconnaître l'élection de monsieur Denis Sassou Nguesso dans cette imagination de ne savoir que vivre dans la croyance qu'en faisant une telle reconnaissance, ce dernier allait vous copter. Donc c'est condamnable lorsque vous dites aujourd'hui encore que vous êtes un acteur politique. Non, pour moi, vous êtes devenu simplement un aventurier politique. Parce que les Congolais, c'est des gens qui vivent dans la peur du disciple de la vérité. Voilà pourquoi les nous autres aujourd'hui, des fois, on est calomniés parce que nous, personnellement, moi, on fait partie de ces gens-là qui refutent que on puisse notamment prôner les mensonges. Moi, je serai toujours véridique envers les hommes politiques. Il y a même l'aîné Sir Makosso qui a eu à dire publiquement que je suis une personne qui n'octroie pas les roses aux hommes politiques du Congo parce que la majorité de ces hommes politiques, on se rend bel et bien compte que ce ne sont que des gens qui ne viennent en politique que pour s'enrichir. On doit être dans cette clarté. La politique n'est pas un monde d'enrichissement illicite. La politique est avant tout un monde du débat, un monde où vous savez très bien que on ne peut pas vouloir le progrès de notre pays en sachant que caresser dans le sens du poil ceux qui font à ce que notre pays puisse connaître des moments misérables. Donc, Monsieur Dave Mafoula, lorsque j'écoute vos propos qui notamment ne sont que des propos flasques, parce que vous dites que vous êtes de l'opposition audacieuse, vous êtes de l'opposition loyale, pour moi c'est un ricanement. Vous êtes simplement de l'opposition du ventre. Vous êtes là en train de vendre notre pays dans les illusions. Parce que le moment propice où moi, personnellement, je pouvais avoir un penchant envers votre action politique, c'était lors des élections passées, où simplement il fallait avoir l'audace de dénoncer la manière dont les élections se sont déroulées dans notre pays, dont vous savez très bien qu'il y a eu plusieurs calamités. Vous n'avez pas eu l'audace de dénoncer cela. Vous voulez même aujourd'hui dire au visu populaire que si le président de la République, Denis Sassou Nguesso, vous nomme Premier ministre, vous n'allez pas tourner le dos à une telle proposition. Mais à un moment donné, vous ne comprenez même pas la géopolitique que Monsieur Denis Sassou Nguesso incarne. Longtemps que ce monsieur a dirigé la République du Congo, il a toujours nommé un premier ministre du Sud parce que cela rentre dans l'imagination de son carcan politique, toujours de la géopolitique qu'il incarne, parce qu'il veut faire comprendre aux Congolais que lui, il est du Nord, mais son premier ministre doit être toujours du Sud pour essayer d'apporter un peu l'équilibre politique, mais qui est devenu simplement aujourd'hui critiquable, parce que la gestion de notre cité qui est réalisée par M. Denis Sassou Nguesso, vous le savez très bien, dans la majorité des Congolais, est une gestion politique qui pose aujourd'hui discussion. Donc, vous ne pouvez pas être de la cuvette, même dans l'Ukolela où vous êtes issu, parce que vous êtes de l'Ukolela, on sait très bien, monsieur Dave Mavoula, vous ne pesez pas, vous n'avez pas un poids politique. Donc, ne venez pas berner les Congolais. Ne venez pas prétendre être plus grand que l'éléphant politique de notre cité au moment où on sait très bien que vous n'êtes que dans la politique de notre cité considérable à des crapauds. Donc, moi, je crois que
C'est impérieux que M. Dave Mavoula ne puisse pas distraire les Congolais. Tu as été notamment dans une faisabilité politique qui nous a déçus. Et aujourd'hui, ne sois pas étonné que même à Oando, qu'on ne puisse pas t'appeler. Parce que tu es comme si étonné. Non, eux, ils ont compris ton jeu politique. Tu as été dans un ricanement politique. Ils se rendent bel et bien compte que tu n'es pas vraiment un acteur politique du changement. Tout ce que tu es en train de vociférer ici et là, pour moi, je trouve simplement c'est une perte de temps. Ceux qui peuvent te suivre, ce ne sont que des gens qui sont encore des larbins. Je dirais sans doute des cabots. Mais ceux qui réfléchissent, ceux qui comprennent la bonne faisabilité politique des choses, ils ne vont pas se pavaner à te faire des hurrahs parce qu'ils ont compris que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es que là à vouloir faire la politique pour tes intérêts personnels. Tu as raté l'élection présidentielle, tu pouvais croiser les doigts, attendre notamment la prochaine élection présidentielle. Mais comme tu veux manger, comme tu as sans doute l'idéalisme de ne pas s'éloigner de cette volonté que tu incarnes de bouffer aussi l'argent du peuple congolais, te voilà aujourd'hui te battre à être notamment dans ce combat de la députation. Qu'est-ce que tu vas nous apporter à l'Assemblée nationale? Parce qu'on sait très bien que tu vas rien apporter, tu ne pèses pas. Dave Mavoula, député en République du Congo, face notamment à la majorité pessétiste. Qu'est-ce que tu vas dire là-bas qui va notamment nous épater? Qu'est-ce que tu vas proposer là-bas qui va même être adaptable? Parce que tu n'auras pas de majorité. Et tu n'as pas de poids politique. Donc, à un moment donné, cessez d'illusionner les gens. Ici, en Europe, on voit les gens qui optent pour l'élection présidentielle. Souvent, ce sont des gens qui restent notamment dans cette droiture. Ce sont les élections présidentielles. S'ils ratent aujourd'hui, demain, il va attendre les prochaines élections présidentielles. Mais toi, comme tu veux manger, tu as raté les élections présidentielles avec un score lamentable, tu n'as même pas pu atteindre 1%, te voilà aujourd'hui qui se lance dans la députation. Bon, je ne sais pas, quand tu vas encore rater la députation, tu viendras encore vociférer, oh non, on a triché, oh non, arrêtez. Vous ne faites pas de la politique, on se rend bel et bien compte que vous n'êtes que là pour distraire le peuple congolais. Maintenant, comme il y a toujours des cabots qui sont derrière vous, voilà pourquoi vous êtes en train de croire que vous êtes éminent, mais moi, à mes yeux, je ne peux sans doute pas nier que vous n'êtes que des pochards politiques de notre cité. Mais pour clore simplement mon direct, j'aimerais qu'on puisse cesser avec ces ricanements qu'on réalise envers le grand P ou sans doute envers Yao et Doxy, parce que aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, ce sont des gens célébrissimes. Et que les politiciens ou les gouvernants ont le droit de faire appel à ces gens-là pour faire passer un message au-delà des frontières, notamment de leur pays. Donc, le gouverneur quinois n'a pas réalisé une chose néfaste en invitant le Grand P ou notamment Yao et Doxy à Kinshasa pour une opération de propreté. Lorsque je vois des Africains qui se moquent de ces personnages célébrissimes en disant que non, mais pourquoi le gouverneur de Kinshasa a eu le toupet d'inviter de telles personnes, c'est risible. Je trouve, à un moment donné, nous les Africains, nous sommes hypocrites et nous ne comprenons même pas ce monde de la mondialisation. Parce que ce monde mondialisé nous impose aujourd'hui de ne pas nier la célébrité des autres. Aujourd'hui, à moins que tu puisses être seulement un aveugle, on sait très bien que le Grand P est célèbre. On sait très bien que Yao et Doxy, avec ses vidéos qu'il réalise, on peut être contre ou pour, avec notamment les relatés qu'il ne cesse pas de distiller ici et là sur la toile. On peut trouver cela critiquable, mais c'est une personne qui est devenue célébrissime. Maintenant, si un politique pense que pour que mon combat que je mène, l'action que je réalise puisse avoir de l'écho, je dois inviter ces gens-là. Vous ne devez pas critiquer le gouverneur de Kinshasa. Vous ne devez même pas condamner ce monsieur parce que ce qu'il réalise, c'est sans doute aussi là de la communication et une manière de mieux faire passer un message. Et je pense que c'est aussi
une manière de faire la publicité de Kinshasa ou du combat qu'il mène de mettre de la propriété à Kinshasa. Donc je trouve cela notamment ignoble. Et ce n'est pas vraiment tolérable que nous, les Africains, qu'on puisse encore critiquer ces Africains qui sont devenus célèbres, ces Africains qui, notamment, même si leur succès peut poser questionnement, mais ce sont des Africains qui viennent à Kinshasa pour apporter un coup de pouce à un combat civique, avant tout, d'un politicien qui pense qu'à travers ces personnages célébrissimes, son combat peut avoir de l'écho. Donc sortons un peu du brouhaha qui se réalise d'une manière néfaste envers ces personnages de l'Afrique. Mais aujourd'hui, je pense que nous, les jeunes Congolais, nous devons cesser de croire que la politique est un monde où on doit réaliser cela pour s'enrichir illicitement. Même s'il y a eu des vieillots politiciens de notre cité qui nous ont octroyer une telle croyance, nous devons simplement croire avant tout que la politique est un monde de débat. C'est un monde aussi, il y a l'envers des choses. Aujourd'hui, il y a même des gens qui n'ont pas honte de dire publiquement, d'une manière simplement risible pour moi, que la famille Kolela est une mauvaise famille. Ce sont des gens qui sont ingrats. C'est une fausseté. Monsieur Kolela n'est pas venu en politique pour que on puisse faire une jugeote aisée envers sa personnalité. Donc lorsque vous pensez que cette famille est devenue ingrate à vos yeux parce que cette famille n'a pas été vraiment à la hauteur de vos attentes, vous êtes là en train de vous moquer vous-même. Parce que les Kolela ne sont pas venus en politique pour être des gens qu'on doit bonifier. Ils sont venus en politique pour simplement profiter des richesses de notre cité qui furent mal partagées. Maintenant, les ninjas, vous avez été des manipulés, des miliciens ignares et ignobles qui furent notamment des gens à leur botte. Donc n'attendez pas de leur part une reconnaissance. La majorité, vous menez une vie misérable. La majorité, on sait très bien que vous êtes aujourd'hui loin même de jouir de cette croyance que M. Bekol a voulu simplement s'aimer en vous en croyant que le jour où on aura le pouvoir, le jour où je serai député, le jour où je serai maire, vous aussi, mes larbins, vous serez heureux. Alors, ne venez pas vous plaindre, parce que Kolela vous a manipulé. Donc, n'attendez pas d'un manipulateur qui puisse être reconnaissant à votre égard. La famille Kolela, ce ne sont pas des gens ingrats, ce sont des gens qui ont réalisé la politique pour leurs intérêts personnels. Donc lorsque vous venez dire publiquement que non, ces gens-là sont des ingrats, mais vous êtes en train de dévoiler publiquement votre idiotie, je dirais simplement votre bassesse politique. Donc ne prenez pas les Congolais pour des ignares. Vous avez été des ignares pour eux parce que vous avez cru à leur discours de la manipulation, à leur discours fanatique. Ils vous ont fanatisé, vous êtes devenus leurs miliciens. Certains, vous avez perdu votre vie. D'autres, vous vous rendez compte aujourd'hui, dans la quarantaine dépassée, dans la cinquantaine dépassée, on vous a manipulé. Ne venez pas traiter ces gens-là d'ingrats. C'est vous, notamment, qu'on doit simplement traiter d'ignobles et de véreux. Pourquoi vous avez suivi des gens dont vous savez très bien que la finitude politique de leur faisabilité n'allait pas être joviale pour votre vie? C'est vous des ignares, c'est vous qu'on doit simplement considérer comme des gens de l'ignominie. C'est vous qui avez soutenu ces gens-là avec ardeur qu'on doit aujourd'hui condamner. Donc les ninjas, taisez-vous. Les miliciens, restez dans le mutisme parce que vous avez même favorisé le banditisme politique que ces gens, qui ne sont que des véreux de la gestion de notre cité, ont su notamment instaurer dans notre pays. Donc ne venez pas critiquer ces politiciens qui vous ont manipulé. Vous n'êtes que des larbins à leurs yeux. Donc taisez-vous. Ne venez pas dire que la famille Kolela, c'est une famille ingrate. On s'en fout. Si tu savais que ces gens-là allaient être des ingrats à la longue, pourquoi au préambule tu n'as pas su mieux réfléchir? Les ninjas, vous avez tué les gens, vous avez les sangs dans vos mains à cause de cette famille. Donc vous êtes condamnables.
Si on condamne aujourd'hui la famille Kolela, on va aussi condamner les ninjas. Donc vous n'avez pas droit aujourd'hui de faire notamment ce discours un peu de sainteté en disant que non, nous on est innocents, c'est les Kolela, les ingrats, c'est eux les coupables. Non, c'est comme si vous êtes en train de dire que Ntoumi n'est pas responsable du désarroi qui s'est passé notamment dans le pool où il y a eu des tueries. Non. Si on doit condamner M. Denis Sassou Nguesso, on va condamner aussi Ntoumi et notamment ces fous qu'il avait su notamment berner et qui furent à ses bottes. Donc, ne faisons pas la politique du tribalisme, c'est-à-dire que si c'est une personne de ma tribu, je dois lui jeter les fleurs, même si cette personne est dans la boue. Moi, je pense que nous devons faire la politique de l'intelligentsia. Lorsque une personne est dans la boue, peu importe sa tribu, même s'il est de ma contrée, tant qu'il est dans la boue, il est critiquable. Donc ne venez pas ici distraire le peuple congolais qui souffre énormément et qui est dans la misère immense. Donc c'était sans doute des propos que je tenais à octroyer envers vous qui m'avez dérangé malgré que je suis un peu ces jours-ci loin de là où je vis, parce que j'ai décidé de me retirer pendant quelques jours de la toile, de profiter un peu de ces jours de repos avec ma dulcinée. Mais je tenais à apporter cette clarté. Il faudrait qu'on cesse notamment de croire que si on a été un milicien d'un politicien, qu'on est saint. C'est une fausseté. Vous êtes comptable de la mauvaise faisabilité politique que ce politicien a réalisée. Et j'aimerais aussi rappeler à ceux qui se sont prétendus dans la diaspora, des activistes, des combattants, ou notamment des politiciens, pour moi ce ne sont que des politicards d'opposants. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Je crois que cela doit vous servir de leçon. Vous êtes pour la majorité sur la toile des vociférants qui ne savent que faire la criade politique. Mais vous avez vu des Ukrainiens. D'autres vivaient à l'étranger. Certains vivaient même sur place. Ils ont décidé de se battre contre la Russie. Donc vous, les soi-disant activistes, les soi-disant combattants, alors que vous n'êtes que des cons pour la majorité, si vous aimez tant le Congo plus que les Congolais, allez-y au Congo. Allez-y notamment affronter cette dictocratie pour qu'on puisse vous jeter des hurrahs. Tant que vous n'allez pas réaliser cela, taisez-vous. Ne venez pas chercher notamment à distraire le peuple congolais. Aujourd'hui, j'ai été même dans l'étonnement que les soi-disant indignés du Congo, qui ne sont que des gens indignes, puissent même fariboler sur mon dû communicationnel. Ni tout qui va dire publiquement que l'argent que moi j'ai pu avoir d'une manière sincère à travers mon travail, c'est l'argent politique. Alors qu'il n'a même pas de preuves tangibles. Tu as les femmes Larry, les femmes Mayeza, et tu as sans doute des Larry, des tontons Mayeza, les Yé Mayeza, qui vont écouter de tels chuchotis et qui sont heureux en relayant ces tels chuchotis, en croyant qu'ils vont m'abattre. Mais vous êtes simplement dans une folie immense. Et je trouve que c'est indispensable que nous puissions aujourd'hui clarifier les choses. Ni tout ne représente pas les Congolais. Dans l'agitation politique qu'ils réalisent là, ce n'est que un moindre. Et je le dis ouvertement que ce monsieur ne pèse pas. Ne suivez pas les directs qu'il réalise là où pour la majorité, ce ne sont que des gens ignobles comme lui qui le suivent. Et dans tout ce qu'il dit, il n'y a que des faussetés. Donc, Nitu, tu ne fais même pas peur à une mouche à Brazzaville. Moi, personnellement, je ne peux pas te tuer parce que tu ne représentes rien pour les Congolais. Et si j'étais sorcier, je te l'aurais dit encore, je ne peux pas perdre mon énergie à vouloir te bouffer parce que tu n'es rien pour les Congolais. Et j'aimerais aussi dire à vous les Congolais qui vivez loin de notre cité, vous ne devez pas donner la casquette de l'opposant ou notamment de l'activiste à une personne parce que ce monsieur prend de la sassophobie. C'est là où vous êtes un peu dans la tromperie parce que vous pensez que toute personne qui se base à travers ses propos
dans la critique envers ce pouvoir, c'est une personne que nous devons suivre, c'est une personne que on doit notamment faire des hurrahs. Vous êtes en train de vous leurrer. Critiquer ce pouvoir, c'est bien, c'est notamment pour moi démocratique, mais ça ne vous donne pas les galons de vous croire au-dessus des autres Congolais. Moi, personnellement, si je critique mon pays, c'est parce que je me sens concerné par la misère que mon peuple traverse. Et je me dis aussi, en tant qu'écrivain, poète, j'ai le droit de laisser une traçabilité pour les générations futures, afin que ceux qui viendront après nous ne puissent pas nous jeter la pierre, qu'ils puissent comprendre qu'il y a eu des Congolais, il y a belle lurette, qui ont refuté que la misère puisse connaître une longévité sur la terre congolaise. Ils se sont battus avec leurs moyens, mais ils n'ont pas baissé les bras. Donc, je pense que chacun de nous a le droit d'apporter sa pierre à l'édifice du progrès véritable que nous voulons pour notre pays, mais nous ne devons pas minimiser les autres. Nous ne devons pas fomenter notamment des mensonges. Lorsque j'écoute Monsieur Guy Mafimba, voilà un autre imbécile qui vient accepter les mensonges qui sont relayés par Nitu, mais je me pose beaucoup de questionnements. Quel est le combat que ces gens-là mènent, si ce n'est que distraire le peuple congolais? Parce que vous n'avez pas des preuves tangibles, mais vous vous fondez notamment sur le mensonge pour vouloir détruire une personne qui a gagné son argent dignement. Maintenant, M. Guy Mafimba représente quoi politiquement? Il ne représente rien. Parce que lorsque M. Okombi était en train de piller l'argent du peuple congolais, lui, il le savait très bien. Il a profité avec ce monsieur. Nous, on peut parler parce que nous, on peut simplement démontrer au peuple congolais qu'on n'a pas pillé le peuple congolais. Eux, ils ont contribué au pillage des richesses nationales de ce pays, qui furent notamment mal distribuées aux Congolais. Guy Mafimba était où lorsque M. Okombi Salissa était en train de participer à ce pillage de ces richesses de notre cité? Il était dans le mutisme. Maintenant, aujourd'hui, on arrête M. Okombi Salissa. Aujourd'hui, M. Okombi Salissa, qui a voulu destituer son maître, il n'a pas pu, et aux arrêts, c'est des imbéciles comme ça qui se lèvent chez lui avec sa barbe blanche, qui vient notamment publiquement vouloir donner adhésion à des mensonges qui sont réalisés envers ma personne. Guy Mafimba, tu ne représentes personne, tu n'es rien. Tout ce que tu dis là, ce n'est pas étonnant. Les Congolais connaissent ça. Qu'est-ce que tu dis de meilleur? Qu'est-ce que tu dis d'étonnant? Qu'est-ce que tu dis de nouveauté dans ton discours? Les Congolais savent qu'il y a la misère au Congo. Les Congolais savent que notre pays est mal dirigé. Maintenant, la solution, c'est ne savoir que venir barboter les Congolais. Tu es dans une imbécilité politique. Je veux simplement le dire aux Congolais publiquement parce que tu as osé me traiter, moi, de vendu, de quelqu'un qui a eu l'argent de ce pouvoir. Où sont les preuves de vos accusations? Ça n'existe pas. Et tu te dis politicien, tu te dis opposant. Mais moi, les bomana motu nabino. Et vous croyez que moi, un genou du Congo qui se soucie du progrès de mon pays, je peux avoir un penchant envers des gens comme vous, les Guy Mafimba? Vous n'êtes que là à ne savoir que jaboter sur la toile. Allez-y au Congo, vous battre là-bas sur le terrain, parce que les vrais opposants sont au Congo, sur le terrain, pas vous. Vous êtes là avec à la gritter, envahir la toile, venir jacasser comme des prostituées, et vous croyez que vous êtes des éminents. Vous êtes des moindres. Et moi, personnellement, je vous le redis, tous ceux qui ont cru à ces chuchotis que les Nitu ont relayés, à ces mensonges qui ont été notamment distillés sur mon dû, je vous le dis très bien, je vais simplement vous répondre petit à petit. Parce que vous avez voulu là créer une finitude à ma personnalité, et moi je veux vous démontrer que vous êtes dans la fausseté politique. Parce que pour moi, d'ailleurs, je le savais, il y a belle lurette, vous n'étiez pas des politiciens, vous n'étiez que des politicards d'opposants. Le temps nous donne raison. Vous croyez que c'est parce que vous allez vociférer à 8000 km que ce monsieur-là sera dérangé, que l'éléphant politique du Congo va s'inquiéter? Mais vous êtes dans une monterie politique. Donc, c'était simplement pour vous dire que ne suivons pas ces gens-là qui, pour la majorité, ne vont que distiller sur la toile des ragots, et ne vont vouloir
que mener une politique à 8000 kilomètres. Soyons avant tout sincères entre nous. Quand tu n'as pas de preuves tangibles sur une affaire, tu dois te taire au lieu de te précipiter à commenter et à dire simplement des ragots. Donc, M. Guy Mafimba, tu as été simplement dans une petitesse politique parce que tu ne peux pas prouver aux Congolais que moi, l'argent que j'ai reçu du PDG Otolo, c'est l'argent de la politique. Parce que moi, j'ai mes preuves. Toi, tu n'as pas de preuves. Et te voilà te précipiter comme un cabot, venir dire, oh non, ce jeune a été corrompu. Mais voilà, Boman Amotuno, tu es fou. Toi, tu crois que moi, je suis comme toi qui a suivi M. Okombi Salissa quand il était dans le miel. Tu étais dans le silence et aujourd'hui, on lui dégage de ce pouvoir-là. Tu veux vociférer? Tu es qui pour les Congolais? Tu n'es même pas un modèle pour les Congolais. Tu dois te taire. Vous et les Nitu, là, vous devez vous taire parce qu'on a compris, vous ne représentez rien pour ce pays-là. Vos âges-là, on ne compte plus sur vous. Vous êtes déjà dépassés. Vous croyez que le Congo de demain, c'est vous. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes plus comptable dans le progrès du Congo. Vous devez commenter ce qui se passe au Congo, mais vous n'avez pas le droit... sans preuve tangible de venir accuser des jeunes comme nous. Boali Boma, vous êtes fous. Bon, Meli, ba whisky, nabino, ba vin, mousse, bolier, ba semoule, boya, wosa, elanga, likita. Mais vous, ça va pas. Et vous croyez qu'en faisant cela, moi, je me taire. Mais vous êtes en train de perdre votre temps. Ah, on a na vacances, na madame, et na aussi sa vacances, le 24 ou le 23, na ozonga. Voilà, je reprends mes activités communicationnelles. Moi, je crée mes relations, je suis aujourd'hui poète, j'écris mes livres, j'avance. Nous, on a fait des débats avec des députés, on a remis notamment à la ligne un député qui avait un slogan sardonique. Donc, on n'a plus le temps à perdre avec des Yaya Mageza comme vous. Vous êtes encore dans l'ignominie politique, donc ne venez pas distraire les gens. Aujourd'hui, moi, je m'élargis, je ne m'arrête pas seulement dans la politique. Je parle aujourd'hui de la culture de mon pays parce que la culture... est aussi un élément efficace pour le progrès de notre cité. Donc, ouvrez votre esprit au lieu d'être seulement concentré là à chercher que des faits qui n'ont pas de preuves tangibles pour ne savoir que fariboler sur les gens. Vous êtes dans la petitesse politique. Vous devez vous élever. Soyez dans la grandeur politique. Soyez notamment dans une bonne faisabilité des choses. Au lieu de perdre votre temps sous la toile en ne sachant que critiquer M. Denis Sassou Nguesso, qui ne vous calcule même pas, qui n'a même pas peur de vous. Vous croyez que parce que vous allez parler à 8000 km, lui là où il est, ah, il aura peur de vous. Il ne dort pas. Il s'en fout de vous. Allez-y au Congo. Vous qui aimez le Congo plus que tous les Congolais, on vous attend au Congo. Bon, ça, le Congo là-bas, ukrainien, ils sont en train de se battre là-bas. Vous allez aussi au Congo, tout le monde a bino, ah, bino bolingi, Congo goleka, ba congolais tout. Et vous êtes là à croire que parce que Mark Zuckerberg a permis que vous puissiez avoir ce moment-là virtuel, l'espace virtuel de critiquer votre pays, que vous êtes plus que les autres. Guy Mafimba, tu représentes quoi pour les Congolais? Tu n'es rien? Ne pense pas parce que Ziana TV t'invite au fait de toi, l'espère, ah, si tu es comptable dans le progrès de notre cité. Tu n'es comptable pour personne. Et lorsque les choses vont changer au Congo, on ne va pas compter sur toi. Et lorsqu'il y aura un chamboulement sociétal dans notre cité, ce n'est pas les Guy Mafimba qu'on va appeler ou les Nitu. Vous serez même des gens qu'on va éloigner parce que vous êtes des politicards d'opposants. Donc ne venez pas distraire le peuple congolais, qui a notamment plusieurs... sujets sociaux à régler avant tout. Donc, chers compatriotes, profitons de la vie, refutons simplement le mensonge et n'emboîtons pas le pas de faire les hurrahs à ces gens qui ne sont que des politicards d'opposants. Bon, grand Daniel, j'espère que tu te portes bien. La RDC et notamment la République du Congo. Parce que la musique a sans doute aussi son importance. Nous devons soutenir à bon escient nos artistes, car vous le savez très bien que nos artistes aussi contribuent à la grandeur du progrès de notre cité. Mais j'aimerais dire à vous, M. Guy Mafimba, vous êtes un moindre pour le progrès du Congo. Vous avez osé encourager ce mensonge qui a été établi sur ma personne concernant mon dû communicationnel que j'ai gagné loyalement
à travers ce que je réalise sur la toile. Et je le répète, monsieur Guy Mafimba, que votre barbe blanche là ne vous trompe pas. Pour les Congolais, vous n'êtes qu'un politicien d'opposant, vous ne représentez rien. Surtout pour moi, hein, vous n'êtes qu'un charlot politique. C'est-à-dire que ceux qui vous suivent sont pour la majorité des Yaya Mayeza. Parce que vous-même, vous êtes un grand Yaya Mayeza. Et monsieur Denis Sassou Nguesso n'aura jamais peur de vous. Parce que vous êtes en train de vociférer. Quand monsieur Okomi Salissa était en train de piller l'argent du peuple congolais, vous ne l'avez jamais critiqué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est aux arrêts et que vous voulez mentir les gens. Non, moi j'aime Okomi. Si tu aimes vraiment Okomi Salissa, va au pays, va là-bas au Congo te battre. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te dis, oh, véritable politicien. Toi, tu es un véritable politicien, comme en train de dire Albin. Tu es là dans ta haine et tu crois que tu fais la politique. Tu ne fais pas la politique, tu es un haineux. Albin, tu as un bon communication culturelle. Il va là-bas écrire, oh non, moi j'ai été corrompu. Tu es fou, Guy Mafimba. Wali Boma, ça va pas dans ta tête, tu es fou. Niama. Il pense que. En disant cela, ah, bah Congolais, bah qu'on croirait. Tu crois que moi, les gens qui me font confiance, là, ils peuvent suivre un Yeza comme toi. Un Yaya ma Yeza. Oyaga poto, monsalo yebika go finga sasu. Bino wakansitan go finga sasu, wana yenanda konaye. Oh, Guy Mafimba dit quoi? J'ai peur de lui. Mais bon, qu'il y a un mboka. Ils vous attendent là-bas. Lui, c'est un soldat. Il a fait la guerre. Allez-y là-bas. D'ailleurs, vous le savez très bien, il est revenu au pouvoir par la guerre. Vous pouvez bon le critiquer. Oui, il reste à vous, toi, un soldat. Allez-y maintenant l'inquiéter au Congo. Parce que vous voulez prendre les gens pour vos bombes. Moi, je ne suis pas votre bombe. Je vous le dis, hein, je veux vous dire la vérité tous les jours des Yézas que vous êtes. Vous croyez que nous, on aura peur de faire un choix politique parce qu'il y a un soi-disant Guy Mafimba qui parle. Vous représentez quoi? Si je décide aujourd'hui de rentrer au PCT, Mototoro, personne ne va m'interdire. C'est mon choix. Maintenant, vous, ça vous fait balle où? Parce que vous êtes en train de comprendre que les jeunes que vous avez embrouillés là, commence à comprendre votre film. Bosuki, vous avez embrouillé les DAV ici, non? Les DAV, ma foule, là-bas, même pas 1% na élection, même pas 1%. Hein? Sachez que vous critiquez tous les jours. Lorsqu'il y a eu des élections démocratiques dans notre pays, ce monsieur, vous avez vu, il est sorti troisième. C'est lui-même qui a joué la carte de la personne qui devait conquérir la présidence. S'il avait donné ses voix à Kolela, Kolela devenait président. Il a donné ses voix à Lissouba, Lissouba est devenu président. Et tu as des Yéza qui disent, oh non, même s'il n'avait pas donné les voix, Lissouba devait être élu. Vous parlez bon, mais vous voyez politique. Vous croyez que M. Denis Sassou Nguesso, il est là au pouvoir parce que Dieu veut. Non, il a réfléchi. Il a notamment été dans une malice politique de mieux jalonner les choses. Il n'est pas comme vous. Voilà pourquoi il ne parle pas, parce qu'il sait qu'il est en face de lui les politiciens d'opposants. Akolobanini, bino rebika lokuta. Boyebika kokose la bato makambo. Tu as ni tout un yesa comme ça qui vient là. Oh non, moi madame Sassou m'avait proposé l'argent, j'avais refusé. Est-ce que yozane longi ya moto oyo? Bako proposer mongo aboya. Et madame Sassou va te proposer l'argent en guise de quoi? Parce que elle si elle te propose l'argent, yo soko zimbongo wana, allez. Son sommeil sera maintenant paisible. Et tu as des Congolais Mayeza qui sont là connectés. Oh, Nitu a dit quoi? Guy Mafimba a dit quoi? Eh. Bino le bo bundavina, bino na potobo la naba yeza, oh na Congo kuna, même les Albins n'ont pas peur de eux. De. Même les mouches n'ont pas peur d'eux. Oh. Mais demandez à Albin, les CB va vous dire. Eux là-bas, ils dorment paisiblement. Bango bazo de la main bino boyaka. Bokende, bokomoko sabato, oh non, nous on peut plus aller au Congo. Oh, tu représentes quoi? Parce que tu as peur, tu as tellement menti sur ce pouvoir que tu as maintenant peur de mettre pied au Congo. Ce n'est pas eux qui vont vous calculer. C'est les Albin et les Sembe qui vont vous donner des chiffres là-bas. Eux, ils n'ont pas le temps de vous calculer. C'est même les petits des Albin là. Hein, bah, petit Awenzo, on a au monde un petit Yeza, un Yayama Yeza comme Guy Mafimba ou Nitu. Bah, Robert, Abino Bambata. Eux, ils n'ont pas le temps de vous calculer. Donc arrêtez de venir fariboler sur les gens. Vous ne faites pas la politique. Ceux qui font la politique sont au Congo. Si vous voulez faire la politique ici, mais vous avez vu, hein, Alain Mbonkou. Moi, j'ai critiqué Alain Mbonkou. Bino Boloba Nangani. Oh, Valentin, tu critiques tout le monde, mais j'avais raison. Comment toi, un soi-disant écrivain, tu vas aller rencontrer un président français pour un État qui est souverain? Oh non, je suis contre la dictocratie qui se passe au Congo. Oh. Alain Mbonkou, à ta bibliothèque, au Salatène au Congo. Maintenant, toi, tu crois que tu deviens à nos yeux quelqu'un qu'on doit applaudir.
Atika nini na Congo, ya koma ne français. Parce que bino ba Congolais bolingaka vérité te. Alain Mabogou c'est un français. S'il aimait vraiment le Congo, mais il devait être comme nous, puisque tu boya ba nationalité, tu vois na minele, to paksa, mais tu boya nationalité ya mindele. Maintenant, il bino bolobela Alain Mabogou loko la Nzambe. Asala nini na Congo. Ata bibliothèque moko atika te. Pointe noire na lobela ka pointe noire ko makout na ba livre na yi. Asala nini na pointe noire. Mwana bibliothèque moko atonga kuna. École moko atonga kuna. Asala akout ba donté. Maintenant vous êtes là à vouloir faire votre haine sur nous. Bokosuka. Bokani si bato ba landa kanga o ba yebi ke moi je suis quelqu'un de sérieux. Ba boyo kande buzo ba na bino. De ma yeza comme ça. Bokene na mboka. Pour que tu comprennes que bino bolingi Congo ko le kabato tout. Na buzo ba na bino wana. Oh. Bon la muki kaka boye. Oh Valentin. Ba pesi mbongo. Oh Valentin. Bino ba kanisi ata ba pesi nga mbongo. Na lobby public moi et rechanger ni. Hein? Oh. Les commissaires ils sont bouffés l'argent de ce pays là politiquement. Dis ma fille, tu dis jamais ça. Ni tout ça tu ne connais pas. On a vu les combattants ici qui ont fait la triade, on a un combattant. Bah tu rien à moka. Bah pour moi les sous combat na bango. Bah pèse à bango bambo. Bon le bango c'est pour la vie. Hein? Et comme il t'a bon le belanga. Parce que dans un monde, on a communicationnel au monde d'une manière culturelle. Dans un monde, on a la culture. J'ai eu mon dû d'une manière culturelle. C'est la culture qui m'a payé. Natia qui a mon internet parce que naie baki. Soukantima, bino ba politika d'opposant, bana soukantima. C'est-à-dire bino bolingi mongo, loko la nguba. Et vous avez réagi. Et Boboko, c'est là ma cambo, tu as Yeza de Guy Mafimba, Yaya ma Yeza de Nitu et Guy Mafimba qui vont là dire oh le petit là a été corrompu. Mais apportez les preuves tangibles au Congo. Bah Congo là bas de la ma preuve. Bino Bakalisi que Bango va corrompre Kaka Bato Kili Kili. Vous êtes les rois de la haine. Voilà pourquoi Komba na Bino va tomber dans l'eau. Je vous le dis. Peut-être vous avez encore les Yaya ma Yeza qui vous suivent. Au Congo là-bas, vous ne pesez pas, vous ne représentez rien. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est devenu l'éléphant politique de notre cité, n'a pas peur de vous. Boko Loba, Boko Loto, Boko Finga, et l'autre qui a changé té. Tous à la grande réaliste. Un monsieur qui ne sait même pas ce qu'il veut politiquement, monsieur Guy Mafimba. Oro Finga Sassou, alors que tu sais très bien que monsieur Sassou, c'est celui qui a façonné monsieur Okombi Salissa. Jamais tu critiques monsieur Okombi ça. Vraiment, tu as Yaya Magyeza. Moi, je me pose des questions. Guy Mafimba, tu représentes quoi pour les Congolais? Parce que même puits dans ta contrée là, au Tonga, en côté. Hein? Puits d'eau. Dans un village d'ailleurs, au Tonga, t'as même moi. Moi, puits à Maï, au Tonga. Maintenant, tu représentes quoi pour les Congolais? Monsieur Denis Sassou Nguesso peut parler. Et lui, dans son village, il a construit. Il y aura au moins un village qui peut se lever et dire ah. Si Tokomana Nzela on a Oyo, c'est grâce à ce monsieur. Toi, tu as laissé quoi dans ta contrée? Monsieur Guy Mafimba, Otika Nini na Congo. Parce que même dans ton secteur, là où, dans ton quartier où tu es né là, Babo Sanayo. Eh! Donc, il y a un peu de temps dans le Congo, il y a un peu de Bango ba croisera ma boko, ha bino bo lobela biso a 8000 km wana nzala, bino nde bo komema biso bilia. Y a des jeunes là-bas, ba bima, ba koma ba député. Parce que ma joie indoussa, ma comprendre que t'es photo bunda. Et je me pose des questions comment yo Congolais, tu vis à 8000 km, tu vas suivre des gens comme ça qui vont te distraire. Ils t'apportent quoi dans ta vie, rien. Oh, ponanine. Ah, parce qu'à fin à Gassassou, tu es fou. Donc, il y a au fin à Gassassou, les Makambo échangés. Alors que na Congo, bango koute, bazo réfléchir, n'engani to wosala, mboke ke liboso. Bazo sous na Makambo au fin à te. Olandaka ni tout ponanine. Oh non, parce que alobaka lokuta na pouvoir wana. Donc fina yo heureusement on a lokuta. Donc parce que ma personne bino internet, donc faut prôner lokuta. Parce que ma personne bino internet, faut pas encore sabato bois ba danger. Bois ba danger nini. Moi je me pose des questions. Monsieur Guy Mafimba, un yaya Magyeza comme ça, a représenté nini na politique ya Congo. Bon monsieur Nitu, il représente quoi na politique ya Congo? Rien. Mais bino bozaka ka lokola ba mouche. Mais vous êtes en train de perdre votre temps. Bango kuna, comme un système. Peut-être, moi je veux vous dire, moi je ne suis pas hypocrite. Moi je suis ni de l'opposition, ni de la majorité présidentielle. Je suis du peuple congolais.
Et je veux vous dire la vérité. Eux là-bas, c'est maintenant un système. Le système veut dire que ce qui moko a koyi, biso tout photo aidé, moko wana a koyi à se relever. Donc, même quand vous vociférez, oh, Kiki ne peut pas diriger le pouvoir, Kiki ne peut pas diriger le Congo, mais c'est un Congolais. Vous êtes tellement dans la petitesse d'esprit, voilà pourquoi vous n'êtes que là dans des débats de bombes. Oh, maman, mais qui ne sait pas que la RDC et la République du Congo fut un même peuple. Aujourd'hui, lui, son CV est en train d'être élargi. Il est ministre. Guy Mafimba n'a jamais été même chef du quartier au Congo. Maintenant, il va venir diriger qui? Hein? Ni tout, surtout, lui, tu n'as même pas été au nom chef du village au Congo. Donc, Kaka Bongo Bokanisi, ah, non, c'est devenu un système. Bango va réfléchir comment nous allons faire la pérennisation politique de notre système. Bino Bozo réfléchir, Kaka, comment nous allons faire la pérennisation de nos mensonges sur la toile. Oh. Mais Mark Zuckerberg, il a créé Facebook pour Asani Sarabatoba, Loba, Kabo Salaba Direct, Nabino. Il a Zouan Bongo, mais il a créé Facebook pour Loba. Gima Fimba, yagoko sabato. Nitu yagoko sabato. Te! Boni maramisala bato. Soki moninga zumbongo na mosana ye, betele maboko. Nga na sepeli, je veux faire des choses na Congo, to osala makambo. Me Gima Fimba osala nini. Ale mon bongo, obo landa galoko la nzambi. Koutu bibliothèque asala te na Congo. Basala nini. Vraiment, mawen. Palabrement bien, palabrement patriote. Albert, merci. Vraiment, mène ton combat. Moi, je te respecte. Au moins, toi, tu as des convictions. Nous, il y a ma Yézala qui sont dans la diaspora, qui ne savent que manger des semoules et boire les vins mousseux ici, de Lidl et notamment de l'éclair. Bazana ba conviction, te ba batu anzala. Na lakisi ba nga ba mbongo, ou na zui ya mosala na nga ba ningani. Donc, ba batu anzala. Bino, moi, na zo respecte, Bino. Yaya, Rémi, Brice, nzamba batela, palabrement bien, on est ensemble.